Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon expérience avec le sport. Une demoiselle est venue me parler sur Instagram et m'a demandé d'où me venait cette motivation pour aller faire du sport tous les jours, elle qui détestait ça. Alors, je vous le dis, entre vous et moi, il y a quelques années maintenant, il y a bien 15 ans, je détestais le sport. Maintenant que ceci est lâché, nous allons pouvoir continuer. Non, vous n'êtes pas tout seul à haïr ça, à détester, transpirer. Vous n'êtes pas les seuls. Et pourtant, je m'en suis sortie. Je vous explique tout ça. Tout a commencé quand j'avais environ 5 ans, je crois. Mes parents ont voulu me faire faire une activité sportive en dehors de l'école. Du coup, j'ai commencé par la danse et par l'équitation. L'équitation, j'en ai fait pendant bien plus longtemps que la danse, même si la danse, je crois que j'en ai fait pendant 4-5 ans, il me semble. À ce moment-là, je ne me disais pas que j'haïssais le sport. J'aimais bien ça, ça m'amusait. Au niveau de l'équitation, enfin, c'était vraiment mon sport. C'était le truc que je préférais au monde, jusqu'au moment où j'ai eu des problèmes. C'est très compliqué à expliquer. J'ai eu des problèmes au niveau santé, j'ai eu des problèmes là-dedans aussi, disons, parce qu'il y avait des choses qui se passaient à l'école qui me torturaient l'esprit, mais ça, ça fera partie d'une autre vidéo. Et du coup, j'ai arrêté l'équitation. Évidemment, est venue l'adolescence. J'ai pris beaucoup de forme très très vite. Pour moi, c'était inconcevable. Je me trouvais mais vraiment horrible. Mais vraiment. Et ça a été très dur pour moi cette période. En plus de beaucoup de choses que je vous raconterai dans une autre vidéo. On en parlera de toute façon, ça ne sert à rien de vous dire ça comme ça. Vous avez très bien compris que je parle de mon harcèlement scolaire. Arrêtons de mettre des blancs et de ne pas mettre de mots sur des choses importantes. Donc le harcèlement n'a clairement pas aidé pour ma prise de conscience à l'adolescence. Ça, je peux vous l'assurer. Et donc nous avions au collège des cours de sport. Et je faisais tout mon possible H24 pour être dispensée. Je détestais ça. Mais vraiment. Déjà, les profs, excusez-moi du terme, mais pour la plupart, ils étaient inintéressants. Et s'ils pouvaient t'enfoncer à te dire « Bah alors, t'en as marre de courir ? Hein, ça fait mal ?» Déjà, ça n'aidait pas. Ensuite, on m'a trouvé de l'asthme. Donc déjà, clairement, cracher ses poumons quand t'as 12 ans, ça te fait un mal de chien, que t'as du mal à respirer, que t'as juste la trouille de mourir. Non, j'avais pas envie. Ça a été très très dur. Et est arrivé ensuite le moment où j'ai changé de collège. Où là, le sport, je trouvais entre guillemets sorte d'échappatoire à tous les problèmes que j'ai eus. Parce que dans mon deuxième collège, je n'avais plus de soucis. Il y en avait encore un petit peu, mais bien moindre par rapport à ce que j'avais vécu avant. Je commençais à trouver un petit peu de plaisir avec le sport. Et c'est surtout une fille qui était dans ma classe à cette époque-là, qui adorait ça, qui m'a entre guillemets donné la force de me dire « si elle peut le faire, tu peux le faire aussi ». Entre-temps, je suis allée au lycée. Le lycée, le sport, c'était encore mieux, disons. Les profs étaient un petit peu plus intelligents, ils amenaient ça d'une certaine façon, donc j'y prenais un petit peu plus de plaisir, mais c'est vraiment au niveau de ma terminale où on a fait des cours de musculation, où là, j'ai commencé à me dire « ouais, ça me plaît plutôt pas mal ». Donc en dehors, du coup, je me suis mis à faire de la corde à sauter, du jogging, et est arrivé le moment où je me suis inscrite à la salle de sport avec mon ex. J'avais plutôt pas mal de mal, tout simplement parce que je m'inscrivais à tout ça, entre guillemets, pour maigrir. C'était mon but premier, et pas pour me décharger de tension. J'avais toujours l'asthme qui me posait des problèmes, donc c'était assez compliqué. J'avais perdu mais énormément de poids. Je pesais 10 kilos de moins que j'en pèse aujourd'hui, et pourtant je me trouve pas obèse là, hein. Loin de là, je vous rassure. J'étais dans une phase de ma vie qui était assez compliquée, j'ai traversé beaucoup de choses à ce moment-là. Du coup, je mangeais très peu, enfin, c'était un cercle vicieux que je ne souhaite à personne. C'était très 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 compliqué. J'ai commencé à travailler en restauration rapide, et j'ai commencé à prendre énormément de poids parce que malheureusement j'avais plus la force d'aller courir, de faire de la corde à sauter, etc. Parce que c'était très compliqué là-bas et on mangeait toujours les mêmes choses là-bas. Donc évidemment le poids, je l'ai repris, etc. Je me sentais très très mal dans ma peau. Et j'ai commencé à faire des exercices moi-même à la maison en me forçant. Puis j'ai découvert Sissi. Sissi MUA, CBAS. Et ça a été la révélation pour moi. J'ai commencé à prendre du plaisir, à me décharger là-dedans. J'étais vraiment fière de moi. De m'accrocher, de transpirer, prendre du plaisir, vraiment. Ça a été le déclic pour moi. Et ensuite, je me suis inscrite à la salle de sport. Ça va... Dans quelques mois, ça va faire un an que je suis inscrite. J'ai du mal à le croire, d'ailleurs.
Tout s'est transformé à partir de ce moment-là. Je n'y allais pas pour perdre du poids, pour m'affiner. J'y allais pour me décharger, pour prendre du plaisir pour moi, pour être fière de moi ensuite. Et ça m'aide beaucoup en continu et je m'y accroche et ça fait plaisir, vraiment. Je voulais vous raconter tout ça parce que je me rends compte que beaucoup, énormément de mal à se mettre au sport, ils ne voient pas comme moi avant. Je ne voyais pas les côtés positifs, je voyais seulement le fait de maigrir. Et j'ai totalement changé. Donc si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Le but, ce n'est pas d'y aller non plus à reculons, même si à des moments il faut se mettre des coups de pied aux fesses parce que sinon ça ne va pas changer, vous n'allez pas y arriver. Mais croyez-moi, si vous avez des problèmes dans votre vie perso, dans votre vie pro, et on en a tous à des moments dans notre vie, allez-y, déchargez-vous, pensez à la personne qui vous a mis en colère, pensez à la situation qui vous a mis en colère, et croyez-moi, croyez-moi, vous allez avoir l'énergie pour. Après, il suffit également de trouver le sport qui vous transporte. Dans mon enfance, je pensais que c'était l'équitation, mais c'est absolument pas ça. C'est la musculation qui me transforme, qui m'aide. Et vous voyez là, j'ai qu'une hâte, c'est de finir cette vidéo, même si je suis très bien dans mon fauteuil à vous parler, parce que je vais à la salle après. Voilà. Qui l'aurait cru ? La petite fille qui n'était pas bien dans son corps parce qu'elle avait pour elle quelques kilos en trop, et qui détestait courir, qui marchait dès que le prof avait le dos tourné. Oui, 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 je vous assure, on était censé courir, moi j'arrêtais, je marchais. Si moi j'ai pu le faire, les gars, si j'ai pu trouver, vous pouvez aussi, j'en suis sûre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire, vous, niveau sport, ça donne quoi? Vous êtes sportif? Pas du tout? Vous êtes plus comme moi en enfance, adolescence ou comme maintenant? Dites-moi tout ça. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !